Quel avenir pour Peymeinade? Quel avenir pour les jeunes? En première urgence, vivre de quoi demain? En deuxième urgence, où? Comment vont-ils gagner leur vie? Ils vont se déplacer comment? Et la sécurité? Pour combien? Qui va payer? Avec quoi? De sa poche ou de ses efforts? De sa poche, c'est devenu impossible aujourd'hui. Faire payer les autres. Essayez voir. Ce sont vos affaires. Qui d'autre que vous procurera les moyens de gagner votre propre vie? Et les amis, elle demeure entre vos mains. C'est à vous. Écoutez la raison. Pas les irresponsables, nous en reparlerons. Hier, Peymeinade vivait essentiellement de son agriculture vivrière. Elle n'a jamais développé d'activité particulière spécifique. La forte demande de terres à bâtir, faite par de nouveaux arrivants enrichis ailleurs, a conduit les Peymeinadois à se séparer de leur unique ressource, leurs terres. Peymeinade d'aujourd'hui s'est donc développée, comme toute la région, en perdant l'essentiel de ses anciennes ressources, sans avoir à créer pour pouvoir vivre d'autres richesses d'avenir. Aujourd'hui, ce sont toutes les nouvelles générations qui en souffrent. Aujourd'hui encore, ces mêmes enfants sont démunis de tout. Ils doivent recommencer leurs nouvelles implantations totalement sans rien. Comment? Avec qui? Avec quoi? Rien dans les mains, rien dans la tête, et surtout rien dans les poches. Le centre-ville. Que va devenir le centre-ville?